Bien, bonjour, bien, bonjour. Je suis dure, bon. Je vais changer. Je trouve quelque chose à manger. Je mange ici, bien, je mange pareil. Je sens que mon avion là va devenir l'avion qui part. L'avion qui part, il y a déjà un retard. Comment bien, non? Hein? Ça commence bien. Je suis de retour à Paris. Je suis de retour. De l'anglais qui parle là. Ou quel? Quel parle? British Airways, departure to Los Angeles, flight number 269. Quand le lien vient, c'est bon, on est deux. J'étais mal assise. Voilà. Je me fais un mélange qui m'a rendu malade. Coucou mon épouse Bamsi. Je fais un mélange qui m'a rendu malade. Hein? Comment allons-nous? Je vois que c'est reparti avec Eto et compagnie. Arrivé. Désormais, prends-moi le vol direct ou ne voyage pas. Bon, c'est plus de mon âge tout ça. Hein? Je vais même prendre les biscuits que j'ai achetés là pour partager là-bas. Comment ça vient, ça? Viens-moi ton petit truc qui frotte ici, le banquier. Il faut que se frotte seulement les mains. Ah, je suis toujours dans le Njoka. Je suis à Londres. Les choses qu'elles arrivent, tu prends ton avion, il passe d'abord par chez les voisins. Ah. Vous dites quoi là-bas? Les gamins. Non, il faut que ça nous touche. Non, non, il faut que ça nous touche. C'est la seule issue. Vous êtes encore tombé sur mon pasteur. Le pasteur de la seule église qui tienne. Vous êtes encore tombé sur lui. A dit qu'il y a encore le foot. A dit qu'il y a encore le foot. Hier, là, il menti, il descend. Vous savez combien là, il a claqué depuis qu'il est à l'extérieur là. Hier, depuis qu'il est sorti là pour les JO. Les JO sont même partis. Il est toujours ici en Belgique. Vous savez combien là, il a claqué. Ok. Continuons. Continuons. Je viens de voir un papier comme quoi il y en a qui veulent faire un documentaire sur l'IA, si c'est le quoi là. Avec des superlatifs. Oui, oui, moi je dépose seulement, ça vient de la région de l'Ouest. Ah bah oui. Coucou. Madiane, comment vas-tu? Non, 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 vous êtes assis là. Vous êtes reparti sur les taux. Comme ça avait marché la dernière fois là. Eh ben, ce qu'il y a de pas bien dans ce qui se passe, c'est que quand tu pars même, tu t'éloignes, tu es obligé de revenir. Je crois que je vais finir par me fixer ailleurs qu'en France. Quand tu es à moins 6, 9, moins 8 heures là, c'est bien. Un sacré décalage. Vos histoires là, il faut que je trouve le moyen de sortir de là définitivement. Oui, c'est pas la peine. Que ça sorte comme ça sort et qu'on fasse à un survivant. Pour vous là, il faut que ça vous frappe propre. Regardez, voici des pays. Vous êtes là, vous pleurez tous les jours. Oh les colons, oh, ça nous empêche d'avancer. Et puis c'est que vos enfants sont devenus colons. Vous-même, vous êtes devenus colons. Bia, ça fait plus d'un mois qu'il est en bec. Il claque les dos, il monte, il descend. Il lave son image. Vous êtes chez Eto. Eto, vraiment, rend-leur leur tablier là. Qui se brosse avec. Voilà les JO qui viennent de passer. Vous avez claqué combien de millions d'euros pour venir faire joujou ici. Pour venir vous amuser. Votre équipe de hand, forfait. Faute d'argent ou faute de bonne volonté, je ne sais même pas. Zéro médaille. 58e sur 58. Zéro fifrelo. Le seul dernier. Vous êtes les seuls à n'avoir pas eu de médaille. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais le noir que... Oh, il y a eu des gens avec le noir que... Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Là, il y a eu des gens avec le noir que... Bon, nous avons besoin de ce noir cœur là pour nous gâter définitivement. On verse ça au sol. Ma peur seulement, c'est que vous ne maîtrisiez pas le versement au sol.
Mais ça se verse au sol. Tic tac, tic tac. D'accord. Elle n'a pas un pas pour retenir l'autre. Oh, demandez. Quand vous vous tapez sur les voisins, vous pensez que les autres sont en titane. Mais si tu es en titane là, un moment tu en as marre d'entendre doux sur ton corps. Hein? Juste pour la fête des oreilles, toi aussi tu bac. Dites-moi un peu. Nous sommes toujours dans la lutte, ou bien? Nous sommes toujours dans la lutte. Vous maîtrisez, non? Regardez-moi bien droit dans les yeux. Oh, les infiltrés. Oh, la fatigue de famille, même les lunettes. Oh, les infiltrés. Oh, les ceci. Oh, les cela. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Ce que certaines personnes faisaient en cachette, ces personnes ne cachent même plus. Il y en a qui sont venus faire leur business tranquille. Oui, oui. Il y en a qui sont là, tout en roulant les pelles au régime de Bia. Et comme nous sommes les enfants des canards sauvages là. Voilà ça. Faites non. Bah, j'attends. Quand vous pensez là que nous avions été embauchés par je ne sais même pas qui. Montez-moi le contrat qu'une comme moi j'avais signé à eux. Vous voulez le changement dans ce pays-là ou vous voulez juste être à la tête du même régime? Vous ne voulez pas le changement, disons. Parce que pour atteindre ceci-là, il faut beaucoup de sacrifices de la part de tout le monde. Il faut accepter de travailler et ne jamais voir de résultats. Vous êtes assis là. Si vous ne buvez pas l'eau du puits, vous ne creusez pas. Pensez quand même à Oumuna, non? Il vous dit que nous sommes loin d'atteindre ceci-là. Quand l'aéroport, c'est comme si tu faisais, pour changer de terminal, tu fais Carrefour Coron, poste central, en bus. En bus. Un circuit interne. Pour un terminal, quel terminal? Une porte vous dépasse. Il y a combien de portes à machin là-bas? En Simalène, il y a combien de portes? À Douala, il y a combien de portes? Ça vous dépasse. Et vous êtes où là? Dites où le colon avait fait quoi? Quoi le colon? Nous étions là, nous autres. Et nous étions là. La petite. Ah, vous dites que ce sont nos parents qui nous ont traduit ça. Eh oui. Oh, moi, j'ai compris le gâteau, c'est pas celui que j'aime. C'est pas grâce à ça de manger. Il y a des biscuits que j'ai à Belfast là, très bon, mais c'est pas celui-ci. Il y a tant. Partira pas. Vous voyez comment nous nous sommes là, easy. Même s'il faut passer par la tontine, tu prends un mois. Pourquoi nous sommes là depuis la 11e? Comment t'as nous, l'on nous bien? Je suis fatigué. Hein? Parce que, même psychologiquement, ça va. Mais le corps, et même je peux rhumatiser. Parce que gérer 5 enfants. Coucou ma vie, comment vas-tu? Gérer 5 enfants, c'est la magie. La magie. Mais ma tête s'est reposée. Retour à la réalité, laquelle? Celle des personnes qui vous parlent, regardez la vérité. On vous dit que voilà, le TGV qui arrive, ça va vous emporter tous. Oh, on maîtrise. L'IA est là depuis plus d'un mois. Vous êtes retombé sur tôt. Il n'y a que la vie qu'à foutre. Voilà la rentrée. La rentrée colère est dehors. Les Camerounais vont commencer à envoyer des missives à l'étranger. Que, oh, je n'ai pas les livres. Oh, je n'ai pas. Je n'ai pas le quoi payer la scolarité. Oh. Oui, oui, pas Emmanuel. C'est là où je suis même assise. Là. C'est là où je suis assise. Comment tu as su? C'est le seul aéroport du coin. Mon volet est décalé. Quand j'attends, je suis obligé de dormir à Paris. Les gars, ils vont me rembourser mon hôtel chez dans aussi. Je dors à Paris. Il n'y aura plus de TGV quand j'arrive. Et la famille. Voici nous notre vie que nous jetons ici. Bonjour, Matrice Royale, comment vas-tu?
Tu ramenais le chocolat des États-Unis. Tu sais comment le chocolat est mauvais là-bas? Ah, tu connais bien. Ok, tu es le citoyen du monde. Moi, une lap seulement. Une lap. Soyez réaliste. Ce n'est pas à coup de guerre intestine que vous faites là. Ce n'est pas à coup de ces guerres-là que vous allez réussir dans la vie. Les Européens, eux, ils avancent. Terminal 5. Elle veut dire qu'il y en a 4 avant. Tu prends la voiture pour pas changer le terminal. Vous êtes assis là, une case de passage, ou des passages inégérés. Et vous voulez accuser le colon comment? Hein? Vous voulez accuser le colon? Dites-moi un peu. Vous avez vu les JO? Quelqu'un fait bien sa chose. Oh, c'était du satanisme. Dites-moi donc où vous êtes mort là. Combien d'alertes sont décédées après notre satanisme? Bonjour Tommy. Dites-moi où notre satanisme vous a atteint, à quel endroit? Oh oui, l'ouverture, ouais, c'était du satanisme. La tête de Marie Antoinette au satanisme. Les Français vous racontent. La France qui assume son histoire. Hein? Il y a barbarie dans notre hymne national. Si vous vous cachez pour vous, c'est votre problème. Viens faire ça ici, on voit. Bah, attendez, marche. Juste là où je suis. Vous n'avez pas assez d'aéroports pour faire ne serait-ce qu'un terminal ici, là. D'accord. Vous n'avez pas assez d'aéroports, ce que vous appelez aéroport là-bas. Regardons-nous en face. Pas les histoires que vous faites là-haut, les colons. Vous êtes déjà parents de colons, vous-même vous êtes déjà colons. On verra comment. Si vous voulez rendre les Caucasiens responsables, vous avez fait des métis, vos enfants sont devenus responsables aussi. Vous demandez compte aux enfants caucasiens qui sont nés ici en même temps que vos enfants métis. Attrapez aussi vos maris, vous leur demandez des comptes. Nous sommes mélangés. Et celui qui dit que. Sauf que vous êtes assis là dans les poubelles. Moi, je suis ici dans la climatisation. Tout à l'heure, j'avais trop chaud. Maintenant, j'ai trop froid. L'aéroport est climatisé, Simba. Pour vous là, vous climatisez encore l'aéroport avec le bloc qu'on met dans les maisons. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a aucune plus-value à être noir. Il n'y a que le travail qui paye. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu as le droit de pleurer plus que d'autres. Travaille, papa. La connaissance est versée dehors. Il y a des choses qui sont tombées dans le domaine public. Copier aussi à l'Efembili, non? À l'Efembili, regardez. Je range la méga tour. Parce qu'un aéroport, ici sont des halls de commerce. Hein. Ce sont des centres commerciaux ici, mon gars. L'argent, l'argent. Quand tu ouvres une boutique dans un aéroport Cameroun, on te dit que c'est le business de l'Antoba 2. Et vous voulez que les impôts entrent. Coucou Jaden. Regardez, vous avez vu. Les aéroports sont des entrepôts. Hein. Il n'y a que la Ferrari en haut là-bas. Mais ils arrivent à climatiser. Au lieu que vos gens vous disent la vérité, ils sont là, ils vous gardent maintenant dans la démagogie. La démagogie n'a jamais sauvé qui que ce soit, d'accord? Je viens d'être enfermé 10 heures dans un oiseau qui vole. Le jour où tu arrives à faire voler ta chaussure là, avec ta grand-mère dedans, fais-moi le film, tu vois. D'accord? Un bel cycle. À Doulès, il y a la police montée à cheval. Washington, Doulès. Police montée à cheval. Ah, tu me parles de moto. Est-ce que toi tu me parles de moto? Et je n'ai pas vu une bouse de cheval là-bas quelque part. Hein. Je ne sais pas si le cheval fait la bouse ou la crotte. Je n'ai pas vu. Donc il y a quelqu'un qui ramasse. À Doulès, il y a des cyclistes qui roulent dans l'aéroport. D'accord? Pour vous là, ça ne rien y comprendre. Disons les vérités. Nous voulons donc quoi pour l'Afrique?
Nous voulons quoi pour le 237? Si nous sommes capables de vivre ça et d'aller au 237 à coup de milliers de ces femmes, de milliers de rollers disent là-bas que c'est ce qu'il leur faut. Ce n'est pas de la méchanceté ça. Que le Cameroun est beau. Le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela, mon gars. Si le Cameroun est beau, l'onde est comment? L'onde est comment? Si le Cameroun est beau. On ne vous dit pas de faire le copier-coller, c'est mon gars. Quand même se mettre à l'aise dans ton propre pays. Je sais pas comment c'est le téléphone. Dans ton propre pays, tu peux pas te mettre à l'aise. Même aller aux toilettes. Vous savez combien de milliers de personnes. Il ne pas dit millions, les aéroports quelque part. Mais regardez les toilettes. Même les toilettes, vous n'avez pas. Vous voulez pas aller comme. Avoir plein de monde, mieux tu déménages. Il y a plein de monde. Voici un aéroport, va ça. Je marche dans un aéroport. Vous êtes toujours en train de pleurer. Vous pleurez que tu viendras vous sauver. Hein? Non. Non, mais ben, tu le Camille, c'est maintenant qu'il se rend compte que ses enfants sont mélangés. Et que. C'est maintenant qu'il se rend compte que quand il parle de Bandeka en tomate, là, lui-même est concerné. Oh, on peut faire ça. Hein? Je suis toujours dans l'aéroport. Hein? La magie ici. Hein? Non. Ben, tu la casserole vient de se rendre compte qu'il a les enfants tomatés. Il a même mélangé jusqu'à deux tomates. La concentrer et il a même mélangé jusqu'à même 3 ou 5 tomates comme ça. Hein. Hein, la tomate fraîche, la tomate concassée, la pulpe de tomate, le jus de tomate, alors les tomates qu'on trouve sur le marché, le genre, hein, les dérivés de la transformation de la tomate. Hein, la tomate sans pulpe, la tomate sans graines, la tomate sans la peau. Tout ça, c'est dans la boîte. C'est aujourd'hui là que Betty la casserole se rend compte que lui succédait que lui-même, il est dans quel succès là-bas. Oh, putain. Hein? Alors. 18h35, on me monte sur la porte. Il est très anglais, il me débrouille. Hein? La famille, regardez, je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner. Je tourne. Ah, maman, il y a les groupes ceci, les ballons, là, ceci, ici. Non. Attendez que ma soeur est d'abord dans un coin, parce qu'elle parle fort. Non. Mais c'est la casserole, dit que quoi? Qu'il a des enfants, il lui succédait, qu'il a d'abord quoi? Pour qui est. Succédation. Mais par contre les anglais là, vous n'avez pas de chargeur dans vos. Vous n'avez pas de chargeur ici en bas. Hein? Je cherche au moins un coin isolé.
Non, attendez que Marseille. Non. Non, elle a raté beaucoup de divers comme ça. Gan nous dit que le best skin n'a vu mieux. Pourquoi elle n'est pas dans un resto au Cameroun faire le best skin? Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resto au Cameroun faire le best skin? Question. Ah, quand il vous dit que beaucoup d'entre nous qui vivons en Bengla vous trompent. Vous pensez que ce sont des blagues? Vous avez dit que hein, si j'avais du temps, je serais reparti à la fac pour faire sociologie. En vrai, pour les caméras, elle me pâche. Yeah. Mmh. Pour les caméras, elle me pâche. Jacques Camer est mauvais. Mmh. Je vous ai dit, oh, vous qui êtes là-bas de centre français, nous vous trompons, au moins vous dit. Nous sommes des impérialistes finis. Ce que les gars aiment, ce qu'un gars nous aime là, ce qu'il n'avait jamais espéré quand il transportait son sable. Hein? Il a ça aujourd'hui, il rentre. Il est le bon Dieu. Vous chantez son nom. Hmm? Vous l'appelez le Père. Vous l'appelez le bon Dieu. C'est bien à lui. C'est bon à lui jusqu'à Nganou. Pourquoi tu n'es pas devenu bestikineur donc? Il reste au 237. Hein? Pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu bestikineur? Hé, hey, maman, hey. Offre alors des motos, c'est dans tes cordes. Offre des motos à tes frères là-bas. On va voir qui va encore monter sur les bicycles là, si tout le monde a un bicycle. Mmh. Continuez à dormir là, la lutte individuelle. Personne ne viendra vous sauver. Faut même pas rêver. Ganou lui est arrivé. Hein? C'est différent de ce que le ministre des. Comment vous appelez là? Du travail. Grégoire, on avait dit. Grégoire, on avait dit qu'on peut vivre à 36 000. Le revenu d'un bicycle, c'est combien? Pourquoi vous ne tombez pas sur un gano? Hmm? Vous ne tombez pas sur un gano, pourquoi? Le bicycle gagne combien? Moi, tout n'a rien comme. Je suis toujours dans la Yopon, tout n'a comme il possédé. Porte, machin, ça me fait des mollets. Non, expliquez-moi. Il a acheté une école primaire. Il achète, il peut bâtir une école primaire. Il achète une école bracata. Pourquoi? Comme si j'ai mal lu. Hein? On dit que l'école est bien. Et il y en a qui ont sûrement applaudi. Le Bozaï est plus, Nganou a dit que le best équipeur vit mieux qu'un bengiste. Je ne sais même pas dans quel beng vous connaissez. Hein. Vous connaissez quel beng, non? Hein, les gars, vous vivez dans quel beng? Nganou là, il gagne beaucoup d'argent, mais je crois que le village ne l'a pas quitté. Hein. Je suis toujours dans un aéroport comme ça. Et moi, je suis petite fonctionnaire, vous l'avez toujours dit. Hein. Donc, Nganou. Moi, je suis petit fonctionnaire, moi, je suis dans un aéroport, j'ai même bien mal au pied. Tu peux me dire combien de gars qui ont déjà vu un aéroport, l'intérieur, comme ça qu'ils voyagent pas, pas à l'extérieur. Ils vont souvent déposer les clients. Mais là, là, que tu ailles traverser les douanes, l'avion qui part, l'avion qui part. Combien? Moi, je suis petit fonctionnaire, je suis même très mal payé. Mon employeur paye mal, mais c'est régulier. Alpha nous dit, nous sommes toujours dans la démagogie. Et c'est le genre là qu'on va plébisciter. Oh, Nganou, le grand Nganou. Oh, tel ne dénonce pas. Mais quand c'est un Nganou qui aligne ces bêtises-là, personne ne dit rien. Personne n'attrape Nganou pour lui dire que Mba, c'est comment mon frère. Oh, maman, banane, le Chanel est noir comme j'aime. Il y a un noir, un genre là, qui ne se délave pas. Hein? Excusez ma vie, moi je suis encore au niveau de quête SPD. Hein? Je cherche un petit trou, me mettre.
drama. Oh. Don't touch her, sir. Same lag. Oh, now what? Don't touch her, sir. Oh, put that. The balloon. Yeah. J'ai eu peur. Hein? Maintenant, dites-moi un peu. Les gens, il y en a qui disent que je bavarde beaucoup, que je suis anti ceci, je suis anti cela. Voilà, moi, je connais. On va leur faire comment? Hein, Ganou, quand tu vois les gens d'aéroport, c'est machin. C'est la sorcellerie. La vraie. Que les gars mis ça bloc par bloc, jusqu'à se connecter, jusqu'à ça match. Vous êtes là à la case de votre grand-père en guise d'aéroport, vous n'arrivez même pas à gérer. Et vous venez par là qui dit. Oui. Oh. Je peux traverser, oui, oui. Si l'avion la prend du retard, là, il va me gêner, tiens. Je peux traverser la manche, la nage. J'aime le visa. Moi, je mets mon passeport, il dit excusez ma vie. L'avion a un retard. À la nage, ça ira plus vite. Il dit à la nage, ça ira plus vite. Je suis toujours dans un terminal. Hein. Je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire entièrement. Eh, ma pangano. Vous discutez même, ça sert à rien, vraiment. C'est pas la peine. Il faudrait seulement que chacun lise leur. Hein, donc, à nous, un jour, quand on va te dire que voilà ça qui a cuit au 237, un jour tu bats, tu ne retrouves même pas ton village, c'est là où tu comprendras. Il fallait lutter avant que ça ne tourne à la bérésina. On tourne dans le muscle, rien dans le cerveau. Je vais nager comme Ganou. Quelqu'un a risqué sa vie. Et bien vous dire aujourd'hui qu'un bersikinien, pourquoi tu n'es pas resté porteur de sable? Je suis que porteur de sable, même tu vivais mieux que le bersikinien. Ton propre patron. Ton propre patron, tu n'avais pas besoin d'investir sur un capital. On sent que nous sommes chez les Anglais, c'est ma ça. Brille, t-shirt, versé partout. Son coton. Bon. Vraiment, les Anglais, vous exagérez. Il n'y a pas de prise de courant ici. C'est comment les sujets de Sa Majesté. Hein? C'est comment les sujets de Sa Majesté. Bon, je suis fatigué, c'est bon. Je cherche seulement où on est pas les dieux. Il n'y a pas trop de monde. Quand. Voilà une équipe qui traverse. Il y a British partout. Voilà une équipe navigante qui traverse. Hein? Ah, c'est l'aéroport, les gars. Vous parlez pour aux gens. Je ne peux pas prendre les têtes des gens, c'est tout. Regardez un aéroport. Hein? Vous parlez fort, Bia est là. C'est à nous d'aller chasser Bia. Oh, tu avais dit que tu allais chasser Bia. Ouf, il vit dans ma maison. Bia vit dans ma chambre, non. Non, je le gère parce que j'essaie de gérer. Sinon, c'est pour vous là-bas. Je ne gère déjà pas Macron, alors vous voyez, je gère Bia. Moi, il a vu gérer Macron. Je ne gère pas Macron. Alors, le jour où je décide de déposer Bia, vous allez faire quoi? Rien. Mmh. Non, vivre qu'un bébé, c'est pas un ganou. Mais l'histoire là, même Ben ne vous lavez pas le cerveau. Hein? Il y en a, où, regarde bien. Il y en a où? Quoi? Et quoi? Et voici un aéroport, regardez le sol. Vous pensez qu'il n'y a pas de poussière ici? Là, dites-nous, vous croyez qu'on s'assied comme ça un jour, on se réveille. Dieu a téléchargé sa part d'aéroport ici. Le travail. Le travail, tout là, on vous donne les dos, vous bouffez les dos. Vous avez vu à quoi servent les dos ici ou non? Nous, on a explosé même le budget. Vous avez vu ça? Là, lock la bouche, lock chaud. La qualité française, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Les Américains vont relever le défi. Oui, et les autres vont en refaire mieux que ça. Mais vous êtes assis là, vous faites des bêtises, il y en a qui vous encouragent. Hein? Dernier au JO, zéro médaille. 58e sur 58. Hmm?
Mais est-ce que nous cochons les gens pour rien? On ne coche pas les gens pour rien. Le gars est resté villageois jusqu'à... Même le village est dépassé. Le village ne sortira jamais de la tête d'un gars. Nous-mêmes, nous sommes nés au Congo, non? Nous-mêmes, nous sommes nés au Congo. Le problème, c'est que les Camerounais ne veulent pas être réalistes. Ils veulent toujours parler, ils veulent toujours faire plaisir aux gens. Les Camerounais veulent toujours faire plaisir à l'autre. Quand moi, je dépose ma chose, est-ce que c'est tant que je suis dans la réalité ou je pense de bonne foi être dans la réalité, je ne gère pas le reste? Il dit quoi encore en Ganou là? C'est vous qui le suivez. Moi, je ne suis pas les locks de 1. Je ne suis pas les locks de 1. C'est parce que quelqu'un a les dos qui dit des choses sensées. Il y a des personnes qui n'ont pas de dos, qui sont très 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 intelligentes. Mais un Ganou dit quoi? Hein? Il est devenu quelqu'un à écouter parce qu'il a les dos. Est-ce que les dos envoient à l'école? Est-ce que les dos mettent l'intelligence dans la tête? Envoie à l'école, mais ça ne met pas l'intelligence dans ta tête. Non. Oh, Ngannou a fait ceci. Oh, il a fait une apparition dans tel film. Oh, oh. Tout ça, c'est du marketing. Tout ça, c'est du marketing, mon frère. Et sans ses dos. Et sans ses dos. Les gars savent que oui, il y a des caméras qui vont regarder le film parce que Ngannou fait son apparition dedans. Pas parce qu'il est un bon acteur. Hein? Eh, les gars. Non, non, les rôles secondaires comme ça, ce n'est pas parce que tu es un bon acteur, tu apportes les dos. Et Ed Sheeran a fait une apparition dans Game of Thrones de 3 minutes. Je pense que c'était 3 minutes. Hein? Il y en a même qui ont dit qu'il était à chier. Il avait été à chier. Hein? Bonsoir, Noël. Ah, vous êtes assis là, ça a cuit sur vous. C'est moi qui vous le dis. Il est en train de laver son image. Quand il va vous déposer ça là, on vous dit que voilà son dauphin. Vous allez commencer à pleurer. Co, 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 co. Le gars en train de dire au revoir, il lave son image. Personne à l'extérieur là ne veut que Bia reste. De toute façon, c'est très bien que plus longtemps il reste là, plus il y a des risques de rendre. Donc, il est en train d'arranger son départ. Ah, ça fait le buzz. Hein. Ah, c'est vous qui suivez les buzz là. Dès qu'on est gagné, je traverse vite. Je traverse en courant même. Hein? Passez un aéroport. Après, vous allez dire quoi? Tu marches ici fatigué. Tu peux te perdre ici là. Dans un terminal, tu te perds ici. Si tu prends ton billet d'avion avec escale, tu connectes mal. C'est mort. Tu rates ton avion. C'est une ville ici. Ah, on vous dit ça. Vous dites quoi? Le colon. Quoi le colon? Moi, je suis devenu colon. Assumé. Je lutte pour... ceux qui arrivent là, et ceux qui sont nés ici, et ceux qui sont restés au pays. Donc s'il faut vous coloniser, moi je signe. Hein. Ah oui, je signe. Si vous ne voulez pas bouger, vous nous gaspillez 475 000 km² de chouïa dessus. Vous nous gaspillez ça. Mais vous êtes assis ici en bain. Dès que vous voyez un peu de lumière comme ça, vous allez dire à vos frères là-bas qu'on peut vivre avec 30 000 francs, avec 50 euros par mois. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Nous pleurons déjà nous-mêmes quand nous allons là-bas. Tu regardes le prix. Moi, je me demande comment les Camerounais font pour vivre. Puisque vous vivez, votre niveau là, c'est le niveau de Bengisien, hein? Le niveau de la France. On achète des choses quasiment même plus chez vous. Alors, quand moi et Wanda sur vos positions, vous me dites que vous vivez bien. Ça ne rien y comprendre. Bon, coucou, mon état de luxe. Ça ne rien y comprendre. Voilà les gens qui organisent encore les dîners ici, mais on n'invite jamais personne au mariage. C'est comme ça qu'à Capzout Boston, on a fait ces dîners-là, ça tournait en eau de boudin. Et dit d'ailleurs à Capzout Boston que je suis à Londres. Hein? Dites à Capzout que je suis à Londres. C'est ça qui est ça. Et comme Tchamale, je l'ai laissé derrière là-bas, il fait un mois, je ne l'ai point vu. Donc dites aussi à Capzout, coucou ma Suzy, que je suis de passage. Je me jette seulement l'air de Londres un peu. Et qui est envoyé aussi ma part de moto. Je vais donner ça à mon cousin là-bas qui se cherche. Si il commence à partager les motos. Vous savez combien de fois faire de la moto est le travail de Bessie Kinner est accidentogène.
Est-ce que vous avez déjà recensé le nombre d'accidents de bicycle par an? Bicycle par an. C'est un travail dangereux. C'est un travail dangereux. Et puis tout le monde ne peut pas faire du bicycle. Si tout le monde a une moto, qui va encore faire le transport de la chose? Hein? La matinale est chez Caporal Mouillé. Il vient encore celui-là. Ah, que je suis ici chez Caporal Mouillé. Ah, ok. Et mis du temps à comprendre. Ma part de vol là me dit depuis quelle porte je pars, le train qui part, l'avion qui part, à 18h35. Il ne faut pas que je m'oublie ici. Oui. Nous sommes vraiment chez les Anglais, ils sont forcément des British partout. Je suis Caroline. Tiens, je vais me coucher tout à l'heure quand je vais arriver à Paname là, sous réserve que je trouve d'abord mon hôtel. Et demain, Fion, TGV. Ça, c'est quoi? Donc, je dors un peu à Paris. Si je n'étais pas fauché comme ça, je serais allé voir mes deux, trois tissus là-bas. Et vraiment, non seulement je suis chargé, mais je suis fauché aussi. Quand j'entre dans une boutique de tissus là, j'ai mal à la poche. Oui, Luton n'est pas loin d'ici là. Dites à Capsu Boston que quelqu'un me fait coucou sur Terminal 5. Voilà des personnes qui nous ont complètement foutu les choses en l'air. À Capsu Boston. Quand vous cherchez soit les infiltrés, à Capsu Boston. Vous nous direz un jour, non. Et cap même de quel côté, c'est juste. Tout ça l'a dépassé. Parce que même le capement, là, ça c'est limite. Le corps fatigue, non. Nous vieillissons. À cap de Boston. Ah, tu commences à mettre les paupières de papillon, là. Quand tu bats des cils, on a l'impression de voir voler un papillon. Et vraiment, hein. Au lieu d'assumer l'âge comme les nous, comme ça. Tiens, faites-moi le Congo ça. Je ne suis pas au courant. J'ai le dossier Serge en Angola. Je me demande si je dois le récupérer. Mon frère Serge en Angola. Est-ce qu'il a déjà démonté les affaires de Marlène? Où il n'y a pas de congosseuse ici? Est-ce que Serge a déjà démonté les dits de Marlène? Non. La famille, pardon. Ne faites pas, j'ai du temps à tuer. Eh, hey, pardon, je ne suis pas encore lesbienne, ne partage pas. Mais bon, je passe mon tour. Et même si je devais l'être, je serais justement pas avec Akab Boston. Oui, oui, oui. Je suis même là où tu dis là. Hein, Franck? Je vais vous ficher et tiper où? Non, pardon. Moi, je sais frire le poisson. J'ai mangé un bon là-bas, à Universal Studio. C'est Harry Potter là-bas. Elle mangeait un bon là-bas, c'était très bon. J'ai fiché et chipé là-bas. Dites-moi un peu. Ah, Serge reste dans sa lancée, tant pis. Ah, moi j'observe seulement. Je parle parce que ma bouche est faite pour parler et manger. Pose seulement la question de savoir s'il a déjà démonté les affaires de Marlène. Hein? Parce que quand moi j'entends les histoires de chats, mes oreilles sifflent, ma. Les histoires de chats après l'infidélité, moi-même là, qui vous a dit que je ne suis pas une infidèle finie? Hein? Non, les histoires de chats, sortent d'où? Ah, c'était bien chipé là-bas.
J'ai dit à Universal Studios chez Harry Potter. C'est très bon. Donc, je répète, les histoires d'infidélité, moi, mieux, je ne parle pas. Moi, même là, on peut m'arrêter quelque part comme ça et commence à lire. Mais les histoires de Tata, les histoires de recel, il va démonter ça. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Hein. Personne n'a demandé à l'autre d'être blanc comme neige dans la vie. Hein. Personne. Hein. Du coup, tellement là. Quand les choses commencent à sortir comme ça, les adeptes de haut, j'ai les preuves. Oh, les adeptes de haut, oh, j'ai les preuves là. Je ne sais pas comment. Parce que moi, je vais seulement remonter le direct de 16 là où certains sont allés me faire du bashing là-bas. C'est seulement ça que moi, je vais enregistrer avec les commentaires dessus. Hein? Donc, si vous allez poser un commentaire là-bas, susceptible de vous griller, allez effacer avant que ne regarde le direct. Là. Hmm? Malène est dans l'apaisement. Ah, moi, je suis décalé. Je suis même coupé et décalé. Dans l'apaisement, j'ai vu des vidéos de filles en peignoir. J'ai entendu parler de tcha-tcha. Moi, j'avais hier moi dit, moi, je ne suis pas devant. Bonjour Michel, je vais me planter dans quoi? Il faut souvent être explicite. Je vais me planter dans quoi? Il y a dit un certain nombre de choses ici. Je prends un dossier si j'en ai envie, quitte à me planter. Moi, quand je me plante de bonne foi. Je ne me plante pas parce que je m'accabo de quelqu'un. Hmm? Non, mais moi, il pose la question. Quand Serge m'a ramassé l'autre jour, vous étiez là-bas avec les cancans commentaires. Mais voilà pour Serge qui a dit. Parce que quand on soutient quelqu'un, c'est comme ça, non. Vous êtes où aujourd'hui? Hein? Voilà pour Serge qui est dehors. C'est vous qui dites souvent que oh, nous sommes dans la dénonciation, nous sommes des messieurs propres. Qui vous a demandé d'être propre? Moi-même, là, il y a au moins une fois minimum qui me courra pas la latte parce que j'ai chopé son gars. Au moins une. J'écoute d'abord qu'elle live. Attends, laisse-moi ça dire. J'écoute d'abord qu'elle live. On vous a dit que j'ai des neurones à saturer. Je pose la question, non? Que quand on sort souvent pour certains, si vous tenez ça pour argent comptant, donc est-ce que moi aussi je peux prendre ce que Malène dit là, pour dollar comptant? Je sors comme ça, je... Hein? Moi, je vais à sa Malène, elle m'a envoyé. Dis-moi donc. Ah, il n'y a rien dehors. Essayez d'abord de dire qu'il y avait quelque chose dehors. Michel, quand vous venez souvent défendre, il faut d'abord bien écouter. Je pose la question de savoir, parce qu'il y en a, quand tu leur dis que je ne prends pas un dossier, ils te tombent dessus. Oh, oh, voilà la vérité, tu devrais. Donc moi aussi, comme nous sommes dans, sur Facebook, là, et que la devise, c'est, j'accepte d'abord avant d'aller demander les preuves. Est-ce que moi je peux, où je suis assise là, partir du principe que ce que Malène dit est parole d'évangile? Ah, ben, t'as vu? Parce qu'il y en a qui souhaitent qu'on travaille comme ça. Mais dès qu'on pose là, toi tu dis seulement que c'est vrai. Comme si l'autre là était la caméra qui avait enregistré. Bien le bon Dieu. Donc est-ce que moi aussi, j'ai entendu les témoignages. Hein? Mais moi je vous dis que quand j'ai une autre lecture, et que je ne vois même pas l'intérêt d'acheter, je n'achète pas. J'achète que j'achète pour faire le désordre, c'est tout. Il y a des choses que j'achète pour faire le désordre. Question à vous dire que les gars, quand vous avez une démarche, allez jusqu'au bout de la chose. De la même façon que je n'achète pas les histoires de Malène face à Serge Anango, c'est la même chose que je n'achète pas pour Serge Anango face à Malène. Est-ce que vous avez entendu ça? Dans ces chamailleries-là, chacun vient déposer sa part. Je ne veux pas me retrouver là à dire que je prends le parti de tel. Il n'y a même pas de parti à prendre. Hein, Michel, tu as compris, je vais en venir. On t'a dit que ça fout, tu allais acheter le problème, c'est Yanango. Si problème il y a. Hein?
Ah ben, est-ce que c'est à toi de me dire qu'il n'y a rien? Si j'ai envie de savoir, si il va l'écouter. Ne marche pas comme ça. Et vous n'avez toujours pas compris, ne marche pas comme ça. Si j'ai envie de savoir, de creuser. Bonjour Dina, je vais creuser moi-même. Est-ce que vous marchez avec mon cerveau et marchez avec le vôtre? Non. Moi, je trouve que c'est lamentable d'en arriver à ça. Hein? Nous sommes dans quelque chose de précis. Vous finissez dans les culottes déjà. Tout est lamentable. Si je veux parler des histoires de petites culottes, je sais où aller au Japon. D'accord? Et on a demandé à personne d'être blanche comme neige. D'accord? Il n'y a pas de monsieur propre là. Nous ne sommes pas à la recherche de monsieur propre. Donc ceux qui disent toujours qu'ils sont meilleurs que les autres. Ah, chacun son degré de saturation. Chacun son degré de saturation. Mais en arriver à sortir les enfants, les ceci, les cela, il faut que chacun se mette des limites. D'accord? Chacun doit se mettre des limites. C'est ça être adulte. Mais dès lors que tu as un problème avec une personne, tout ce qui est en périphérie, il passe. Il y aura tous les dégâts collatéraux. Nous avons tous les ennemis dehors. Qui vont soit fabriquer l'histoire, soit venir déposer l'ensemble de nos œuvres. Oui. Ah voilà. Il y en a qui me sont tombés ici dessus. Oh, tu ne parles pas de Marlène. Pourquoi tu m'invoques? Je vais voir avec toi. Ça peut bien me foutre son mari travaille au McDo. Hmm? Vous savez où maman n'a pas travaillé. Et, oh, vous dénoncez. Ben, maintenant que Malin dit aussi que Serge fait du tcha-tcha, allez dénoncer. Comme vous pensez qu'on sort comme ça, comme un père du derrière. Tu ne sais pas où ça a commencé. Tu ne sais pas, non, parce que tu détestes quelqu'un. Tu viens seulement, tu te verses. Oh, moi, je ne gère pas. Je fais seulement une table d'hiver, un d'hiver en passant. Je ne gère pas. Où est-ce qu'on fait? Si tu as des choses énergivores, hein. C'est énergivant. Mais qui alors dit que tout le monde, nous tous avons du bon comme nous avons du mauvais? Hmm? Nous tous avons du bon comme nous avons du mauvais. Quel est le contraire? Qui a demandé à l'autre d'être monsieur propre? Et là où moi je peux trouver un problème, d'autres peuvent ne pas en trouver. Je peux dire là maintenant que je suis contre l'infidélité, c'est ma position. Mais est-ce que je finirai? Ma position fera ce qu'il n'y a plus d'infidèles dans ce bas monde? Non. Et ma Kigali, j'ai alors dit que j'achète. Bien, tu viens seulement d'arriver. Donc, comme je dois laisser là, je ne dois même pas dire un mot de temps en temps. C'est comment avec toi, non? Je viens de dire avant que tu ne fasses ton commentaire que les gars, je n'achète ni l'un ni l'autre. Et si même si j'ai envie d'acheter, personne ne pourra rien contre ça. Moi, j'ai le temps. Mmh? J'ai le temps. Je vais quasiment me retrouver seul chez moi. Donc, si j'ai envie d'acheter, je n'attends pas que quelqu'un me dise d'acheter. Tu viens d'arriver, viens de dire que moi, je n'achète pas. De la même façon que j'avais dit que je n'achète pas pour Marlène. C'est pour ça que tu n'achètes pas pour recherche, mais ceux qui aiment entendre que acheter, aille donc acheter. Oui. Parce que si on avait dit que Marlène avait fait du tcha-tcha, vous serez tombé dessus, donc tombé aussi sur Serge. Je vous renvoie la balle, non? Je vous renvoie la balle. Ce genre de choses est énergivore. C'est énergivore. Oui, on ne peut pas. Nous ne sommes pas là pour ça. Qu'est-ce que vous entendez par incohérence? Laissez-nous ça. Qu'est-ce que vous entendez par incohérence? Marlène vous donne un puzzle que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas ou ne pouvez pas reconstituer, c'est tout. Elle vous donne un puzzle. Ce serait trop facile de venir aussi vous cracher ça comme ça. Elle vous donne un puzzle, c'est un puzzle. Moi j'ai le puzzle, la vie de Marlène, sans me vanter. Oui, oui, oui. Vous savez que quand moi je tape, je ne me loupe jamais. Vous savez, non. Je ne te défends pas. Je prends ta propre vie là. Je te renvoie ça.
Parce que vous n'entendez pas incohérence. Parce que vous voulez trop fouiller dans les vies des gens. C'est pour ça que vous direz qu'il est incohérent. Il est incohérent quoi. Tu écoutes quelqu'un tous les 32 du mois, elle parle de ci, elle parle de ça, elle mélange, elle entre par ici, elle ressort par là. Vous voulez comprendre quoi dans les vies des gens? Vous voulez comprendre quoi? Ce que nous avons même l'obligation de comprendre, nous ne sommes pas dedans. Vous voulez comprendre quoi dans la vie de Malin? Quoi, trop d'incohérence? Oh, les Camerounais sont là de te coller des choses que tu n'as jamais dites. Là, tu t'assois comme ça un jour, on dit que tu as dit que. Finalement, tu finis par y croire toi-même. Hein? Moi, je suis tibaliste, non? Vous savez tout ce qu'on m'a collé sur le dos. Pardon, laissez. Laissez. Hein? Ouais, Kigali, comme c'est bon à toi là, maman, bois l'eau, tu te rassasies. Hein, bois l'eau, tu te rassasies. Ce sont des choses que je fais ponctuellement comme ça. Hein, des fois, moi aussi, j'aime guérir. Mais dis que je vais m'en satisfaire. Non, ça n'est rien là-bas. Ma propre vie me sert. Ah, moi, Kimi, hein, si je vous dis que si elle ramasse l'affaire là, elle va faire beaucoup de dégâts. Hein? Ah, je suis tribaliste, moi j'ai accepté seulement Michel. Je vous dis que si je prends l'affaire là, hein, des deux côtés, que ce soit Marlène, que ce soit Serge, ils vont me porter les 10 prochaines années. Donc mieux, je ne touche pas ça. Parce que vous ne pouvez pas parler d'incohérence d'un côté, nous on parle d'incohérence de l'autre. Moi, vous savez que je ne gère pas l'affaire là. D'accord? Je fais seulement les commentaires comme ça, c'est la rentrée, non? Et n'oubliez pas que moi, si il y a des personnes qui m'ont dit de ne pas fréquenter 16 heures, hein? Moi, si là, n'oubliez pas ça. Et demandez à Serge si nous sommes vraiment un jour chamaillés par rapport à quelque chose de primordial, non? Quand on donne sa position, l'autre équipe dessus. Vous avez dit que Max est calibré. Nous sommes rarement d'accord. Mais vous nous voyez, non, on se fréquente, non. On peut ne pas être d'accord sur le plan politique maintenant, mais la fraternité qui nous réunit, non. Personne ne peut mettre le couteau dedans. Personne ne peut mettre le couteau dedans, donc. Je reste là avec ce soir. Je n'en ai rien à foutre que quelqu'un ait 10 maisons. Et moi, je n'ai même pas l'ambition d'en construire une ou d'en acheter une. Mais que, vous voulez que j'aille gérer les soeurs propriétaires, vous hein? Vous voulez que j'aille gérer les histoires propriétaires, pourquoi? Mon salaire, je le connais. Il ne bouge pas de beaucoup. Pourquoi on m'ajoute même 50 euros là? On enlève encore 30, on me laisse 20. Ah, 50 euros. Donc les gars, le rythme, ma part de rythme là, je connais. Pourquoi vous voulez que j'aille m'encombrer d'un certain nombre de choses inutiles? Hein, dites-moi. Pour preuve, M. Poupé du Chapeau Blanc, j'entends seulement des petits morceaux comme ça. Notre pays va mal. Vous voulez que j'amène de temps en temps pour faire. Vous voulez que vous développez l'histoire du tcha-tcha. Vous allez. Les gens vont se verser 2000 sur la page. En vrai. Vous voulez que je développe l'histoire de propriété. Partant de dire de malade. Hein? Vous voulez que je développe ça. Oh maman Sarah. Oh. Moi, je suis alors glissé sans me retenir. Hein. Vous voulez que je développe ça? Partant du principe que Malène dit la vérité, vous voulez que je développe ça? Non. Mieux, je ne touche pas. Hein? Mieux, je ne touche pas, je vous dis. Il y a des personnes comme ça qui voient plus loin que ce qu'on vous pose là. Non. Je parle seulement du principe que elle dit la vérité. Je garde seulement le coin une fois. Donc, comme je ne suis pas là pour ça, et que c'est la rentrée. Non, demain, non, non, demain, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Je dors sur Paris. Hein. Je dors sur Paris. Je ne pars que qu'en début d'après-midi demain parce que je vais prendre le temps de dormir. Je suis très, très fatigué. Je vais prendre le temps de easy trottiner là jusqu'à la gare de Lyon et. Non, il n'y a pas de mal. Nous avons le régime BIA à gérer, donc excusez ma vie. D'accord. Si pour beaucoup, moi j'aurais fait ce que j'aurais pu. Si pour beaucoup là, nous sommes là pour le Japon. Pardon, on peut faire les deux. Hein.
Mais là où je suis là, Paul, ce que Paul a nous dessiner là va nous déposer, va nous dépasser. Attendez d'abord que Paul pose, d'accord? Et que je décide de gérer ou de ne pas gérer. Donc je crois que ma porte est annoncée. Ma mère regarde si mon vol part ou ne partira pas. Depuis le départ, là, je ne voulais pas de bagages à main parce que le soir, là. Alors, ça, c'est Barcelone. À Kigali, vraiment, il y a dit que les histoires d'être mis là, hein, il faut s'arrêter dessus. Nous sommes tous coupables, d'accord? Moi-même, je suis en train de subir les nuits bamiliquées là. Donc, il faut nous excuser. Pour l'un ne compte pas plus que pour l'autre. J'ai suivi le retour de Marlène depuis sa lettre à Chantal Biala. Elle ne faisait que chasser ceux qui ramenaient le tribalisme dedans. D'accord? Non, 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 c'est trop facile, maman. Laissez les tubes. Les Bamiléké, certains Bamiléké eux-mêmes ne lui ont pas donné le lait. Donc, quand on va apaiser les choses et qu'il y en a qui sont toujours là en train de fourrer, comme disait Betty. À 13. Hein? Non, non, ma Kigali, il faut être juste dans la vie. D'accord? Il faut être juste. Ce sont pas seulement les mêmes qui ont le droit de pleurer. J'ai les directs de Marlène enregistrés. Quasiment tous ces directs-là. Et elle le dit de vive voix que pardon, quittez ma page, pardon, quittez. Jusqu'au jour où elle a craqué. Une personne parle d'un sujet, vous ramenez un autre quand les cœurs se sont apaisés. Donc non, non, ma Kigali, tu ne peux pas dire ça. Et quand il y a des personnes qui vont ramasser quelque chose quelque part, qui viennent te t'enfoncer ça dans la gorge, et que toutes ces personnes-là ont en commun le fait d'être de Bamiléké. Je vais y poser la question de savoir, vous voulez que nous on fasse comment? Hein? Ma Kigali, dis-moi, tu veux qu'on fasse comment? Si nous autres, si n'avions pas notre caractère de hein, en titane là, moi-même, je serais à tomber tous les mal sur les Bamiléké. Moi, ce que je subis là, c'est quoi? C'est pas parce que je ne suis pas Bamiléké. Moi, je repose la question. Tu prends 100 personnes qui tombent sur l'autre. Et un en commun le fait d'être Bamiléké et l'autre ne l'est pas. C'est pas du tribalisme, c'est quoi? Dans cette lutte-ci, il y a des choses, des personnes qui ont sorti la même chose que moi. Ils n'ont pas subi le même bashing. Ils n'ont pas subi la même diffamation. Il y en a même qui ont dit pire que moi, qui ont été plus virulents que moi. Hein? Non, 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 il ne faut pas être injuste comme ça. Moi, l'injustice, là, j'ai laissé ça passer longtemps parce qu'il fallait maintenir l'équilibre. Ça ne marche plus. Un, on supporte. Deux, mais quand ça devient une répétition, les gens pensent qu'eux, ils ont le droit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce coup-ci, j'ai assisté. Ce n'est pas Marlène qui a commencé. Marlène a supplié à chaque direct. Jusqu'au jour où elle a craqué. Bon, vous avez eu ce que vous voulez. Ceux qui ont fait ça ont eu ce qu'ils voulaient. Quand vous savez que le chien est mort, vous n'allez pas le titiller. Je voulais pas. Pendant de longues semaines, Marlène ne faisait que dire quitter ma page. Je ne suis pas là pour ça. Personne n'a le monopole de cette histoire-là. Mais ouais, c'est seulement jusqu'à 12. Ok, j'ai loupé quoi. Ah, mince. Non, non, apprenons à être juste. Marlène avait dit quelque chose il y a quelques années. Ça, c'était il y a quelques années. Hein? Marlène a même demandé pardon. Il y en a qui ont dit, oh, non, moi, je n'accepte pas le pardon. Elle arrive avec une démarche.
Mais est-ce que j'ai dit que je n'ai pas? C'est pour cela que j'ai dit que si moi j'avais la conviction, si j'avais la conviction que tout le peuple dominicain est comme ça, moi je ferais déjà déposer des bêtises depuis. Hein? Si 10 qui me descendent, il y en a 1000 derrière. Hein? Qui viennent essuyer mes larmes. Et tu penses que Malène n'a pas de personne bandique aussi avec. Connaissez pas le Cameroun, hein? Il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'il n'y a que ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Tu sais, moi j'avais la certitude que moi, on a balancé le petit. C'est ça qui sauve dans ça là. Qui lui sauve toutes nos démarches. Coucou, bonjour, ma tontinade. Donc vous ne pouvez pas aller titiller un chien quand vous êtes mordu, vous dites pas, on vous a mordu. Cette fois-ci là, j'ai assisté à ça. Et crois-moi, je répète, coucou, Mariette, comment vas-tu? Nice looking, Mariette, comment vas-tu? Non, les gars, j'ai trop maintenu l'équilibre là, donc maintenant, excusez ma vie. Sinon, moi aussi, je commence à crier. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, c'est même pas le tribalisme, c'est juste la méchanceté. Et aide-moi à détester. Ils se mettent ensemble comme ça, c'est le hasard qui veut que. Et juste là, par plus de méchanceté. C'est pas parce qu'ils pensent que je suis tribaliste. Donc, vous voulez qu'ils pensent quoi? Mais où la 15 là, c'est comment avec ça? J'ai encore loupé le virage. Parce qu'il y a l'aéroport, jusqu'à ce qu'on se perd dedans. Hein? Hein? Non, ma Kigali, il ne peut pas. Pendant longtemps, nous avons essuyé ça, nous nous sommes tués. Il y en a même qui disaient, à haute intelligible voix, pour les quoi. Et moi, j'ai grandi où, quoi, c'est pas une insulte. Hein. Dans toutes nos langues, là, on dit les autres. Ceux qui ne parlent pas comme nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense là qu'il va me branler parce que oh, la tribu est montée, la tribu est descendue, moi je n'ai pas la tribu, je vous dis ça. Mais ne soyons pas de mauvaise foi. D'accord? Oh, je vais me caler là-bas comme ça, mon bavardage ne dérange personne. Ma Chessie, tu étais aussi Ongata. Tu étais à Konengi. Non, il faut savoir aller au-delà de certaines choses. Il faut savoir aller au-delà de certaines choses et savoir apaiser. Dans la bêtise dont certaines personnes font preuve, là, me dépasse. Aka, quelle insulte, laisse-nous ça. Galafi, ça ne veut rien dire. D'accord. C'est comme on dirait les hommes de la forêt. Si pour toi les hommes de la forêt, c'est une insulte, d'accord. Grassfield, c'est une région. Les Grassfield, c'est une région, les habitants de cette région. Donc pourquoi est-ce qu'on transformerait ça en insulte? C'est comme si on disait que tu es lyonnais, tu es parisien. Hein? C'est comme si on disait les hommes de la savane. Donc à tourner en rond comme ça, vous allez vous entretuer. Stupide pour pas plus stupidité, pas vous le dire. Et moi, je serai pas là-dedans. Je serai pas là-dedans. Et comme ça disait les gens de l'Holodorf, en quoi c'est une insulte? Hein? En quoi les autres, ça veut dire quoi? Les autres, les qui? Hein? Il y a les autres partout, dans toutes les langues. Il y a des bêtises qui disent blablabla. Bla, bla. Donc pourquoi est-ce que les habitants des Grassfield passeraient leur temps à crier qu'on a dit les Grassfield? Il y a des anglophones qui le sont. C'est une zone. Comme dit les habitants de la toundra. Non, c'est nous qui en avons fait une insulte.
Et si nous restons accrochés dessus, reprenons ça pour ce que c'était à l'origine, ce n'est pas une insulte. Donc si c'est une insulte, ça veut dire que quand on dit les Wadjo là, c'est aussi une insulte. Hein? Quand on dit les... On appelle tous les gens du Nord les tout pourris là, c'est aussi une insulte. Vous savez combien de choses ont été déformées. Hein? Quand on dit les Magida, c'est une insulte. Hein? Non, 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 dites-moi. Quand on dit les Magida là pour parler des gens du Nord, personne ne connaît même la définition de Magida. Non, dites-nous. Hein? Quand on dit les anglophones là, on dit les Bamenda. C'est aussi une insulte. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Les Yaoundé là, c'est aussi une insulte. Hein? Dites-moi, vous voulez qu'on commence à lister tous les mots qu'on utilise là pour désigner tel, tel, tel. Hein? Dites-moi un peu. Comment ça, comment on l'utilise pour faire une insulte? Non, 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 là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, toujours prêter les intentions. Vous avez dit que ma soeur, lui disait que dis ça dans notre langue maternelle. Chez nous, les Américains, on dit bongwangwa. Oui, oui, je disais que ne dis pas oui parce que ça avait déjà une consonance, ce que certaines personnes brodaient. Maintenant, si vous voulez apaiser ou pas. C'est comme un caucasien qui me traiterait de singe. Vous voulez que je me sente concerné, pourquoi? De quoi parle l'auteur? Hein? Hein? Ah ben toi tu es choqué, choqué. Personne n'a dit que tu es noir. Tu n'es pas noir alors. Tu n'es pas classé comme ça, selon le classement des personnes qui ont réussi à dominer le monde. Justement, quelqu'un va me traiter de nègre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Si ça me pique, je l'arrête, lui, spécialement. Hey. Apprenons-nous à nous détacher de certaines choses. Quelqu'un dit là maintenant, sale singe, je me retourne que je suis concerné. En quoi? En quoi je suis concerné? Ne vous apaisez pas, vous avez créé une guerre à cause de ce genre de choses. Parce que même ici, là, entre Caucasiens, les Asiatiques et tout, ça existe toujours. Tu vas aux États-Unis là-bas, il y a une façon d'appeler les Mexicains. Hmm? Non, mais il y en a qui sont attachés là, dès qu'on dit les Bamileke. Oh. Donc, nous, quand on nous traite de quoi là, on doit faire quoi? La question que vous posez. Oui, il y en a qui sont tombés sur moi parce que ces personnes sont Bamileke. Oui, il faut le dire. Et vous pensez qu'elle va arrêter dessus? Pour amener ça ou non? Hein? Pour amener ça où? On amène ça où? Il y a plus d'impôts. Il veut dire que ce sont les lois qui vont. Les antisémites, là, les anti-afros et tout. Ce sont les lois qui les ont calmés dans les pays. Donc si vous voulez créer une guerre parce que quelqu'un vous a traité de bambéke ou de bois, bon, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Hein? Nous ne sommes pas. Vous savez le sale qu'on a fait à mon nom? Oh, excusez ma vie, sans lever quoi? Est-ce que vous savez le sale qu'on a fait à mon nom? Il y a des personnes qui ne sont même pas restées dans le cadre. Est-ce que vous savez le sale qu'on a fait à mon nom? Ça m'a enlevé quoi? Rien. Est-ce que je suis venu dire ici que les Bamileke sont montés, sont descendus? Non, rien à foutre. Pourtant, c'est une assemblée de personnes Bamileke à 100%. Je suis venu pleurer ici. Parce que ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le fond du problème. C'est comment c'est utilisé quand une personne dit Bamenda. La personne est utilisée comment? Non, non, ma tontinade, il y a des personnes qui parlent souvent ici, qui veulent parler d'une personne ressortissante de nos autres. Nous savons bien que quand on dit Bamenda, à quelqu'un, c'est que la personne là, un boutou ou non.
toute une ville est devenue toute une insulte. Je ne suis pas ton Bamenda. Donc, quand pour parler des personnes du Nozo, la personne dit Bamenda, c'est insultant ou pas? Est-ce que c'est insultant ou pas? Les ressortissants du Nozo doivent se sentir blessés, doivent être blessés. Hein? Non. Les intentions, tu n'es pas dans la tête de l'autre pour parler des intentions. Bamnété, même si c'est insultant, dans quel sens? Rien que le fait d'être de quelque part, d'avoir des ancêtres qui viennent de quelque part, c'est une insulte maintenant. Il y a un dicton qui dit parisien, tête de chien, parigot, tête de veau. Hein? Et en face là, parisien, tête de chien, parigot, tête de veau. Donc dites-moi, quand dans une conversation, je dis à l'autre, oh, le Bamenda là, c'est une insulte ou c'est pas une insulte? Sachant bien que Bamenda avait dit le Boutoukou. Tu n'es pas dans ma tête pour savoir ce que je peux me tromper. Il y a des expressions comme ça. Magida, qui connaît la définition de Magida? On te dit que le Magida là, le tout pourri là. Ah, expliquez-moi, on ne va pas s'en sortir. Ah, soyons adultes, je dis donc. Ce sont des débats qui n'en finiront jamais, autant que chacun se désensibilise. Mais oui, il y a des personnes qui disent le... Comment est-ce qu'on appelle encore le Magida? Non. Le mari de Karimo, il traitait de le mari de Karimo de quoi? Certains la traitent soit le mari de Karimo de quoi? De Magida, non. De quoi même encore là? Hein? C'est une insulte ou pas? C'est une insulte ou pas? Alors dites-moi. Quand vous voulez parler d'une personne du Maghreb ou une personne du Moyen-Orient, un Kassa, hein? Est-ce qu'un Kassa, c'est une insulte d'un Kassa là? Pardon, ceux qui trouvent que Grassfield, c'est une insulte, est-ce qu'un Kassa, c'est une insulte? Hein? Alors, si vous s'arrêtez au ton, aux intentions, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Est-ce qu'un Kassa, c'est une insulte? Moi, ça m'offusque quand j'entends une personne dire un Kassa. Oui, ça m'offusque parce que je sais qu'à la base, c'est une insulte. Moi, je vous dis que j'ai grandi dans un quartier que nous avons, nos grands-parents ont construit. Oui, on disait l'homme Bassala, on disait l'homme Bamiyekela, ou même Graffi. De l'homme graphique là, rien d'injurieux dedans, déformation culturelle. Chacun prend comme il veut, mais maintenant nous créons une guerre. Quand tu dis le CUL de ma mère, j'en ai rien à faire, elle est CUL. Non. Mais si, ben, il faut voir ça, la personne qui te méprise là-bas. Hein? Faut voir ça, la personne qui te méprise. Ça ne devient pas une histoire nationale ou internationale. Donc ça veut dire que même si on n'avait pas sorti le mot là, le mépris est là. Le mépris est là. Avec ou sans graphie, le mépris est là. Eh oui. Avant de te sortir graphie là, le mépris est déjà là, n'est-ce pas? Sans graphie là, le mépris est là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Graphie, c'est pas le problème. Est-ce que la personne te renvoie? Est-ce que la personne te renvoie? Non, c'est au Camerounais de s'apaiser. Et moi, je vous dis souvent que quand il y a des personnes qui arrivent, vont tirer la queue un chien enragé. Il ne faudrait pas que les personnes aillent pleurer pour avoir été mordues.
Ah, mais ne transcendez mais donc pas, tapez-vous dessus pour moi, quoi. Si vous voulez vous entretuer parce qu'on vous a traité de galafi, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que vivant à l'étranger, on va vous traiter de nègre. D'accord? Vous n'êtes pas sorti de l'étranger, de l'auberge. Donc, la même façon que tu vas tomber sur un Camerounais qui te traite de galafi, il faut aussi tomber sur le même Français, Canadien ou tout, qui va te traiter de sale nègre. Il faut en faire le même plat. Hein? Oui, 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 il faut en faire le même plat. Parce que les sont les mêmes enfants du même ciel, les enfants du même pays, de la même mère. Le tribalisme et le racisme. Donc comme tu es prêt à aller faire la guerre, tu es prêt à aller faire la guerre à un quoi, hein, te traiter de graphique. De la même façon que tu dois aller être prêt à faire la guerre à un Français qui te traite de nègre. Ah, créons donc la quatrième guerre mondiale sans jamais avoir déclenché la troisième. Ah, moi, vraiment, le poids de l'âge, pour commencer, il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses. Ah, je ne gère pas la tribu, je ne suis pas gardien de l'affaire là. Je ne sais même pas de quoi vous parlez quand vous parlez de tribu. Vous connaissez la définition du dictionnaire. Mais après ça, ma tribu, c'est celle que je compose. Là, je viens de laisser ma tribu. J'ai passé un mois avec ma part, une de mes tribus. Une de mes tribus aux États-Unis. J'ai passé, je constitue ma tribu. La tribu de mon grand-père n'est pas ma part de tribu. D'accord? Le clan de mon grand-père n'est pas ma part de clan. Maintenant, nous sommes mondialement versés dans ce bas monde. Je constitue mon clan. Je constitue ma tribu. C'est pour cela qu'une comme moi là, ah ok, bah alors nous ne sommes pas toutes ces subtilités là. Tu sais que plus on vieillit, plus on devient méchant. Et le petit vieux là, lui alors il y pense, il le pense mais proprement quand il te traite de noir. C'est parce que maintenant bof, il a gagné le droit de te le dire sans beaucoup de conséquences. Tout ce que nous mettons sur le compte de la vieillesse là, ce sont toujours les mêmes mots, hein. Et eux, leurs intentions sont alors mauvaises. Les personnes âgées là, leurs intentions sont de blesser l'autre. Mais l'âge fait que nous leur pardonnions. Ah, c'est compliqué. Mieux vous lutter à vous détacher. Ah, oui, oui, oui. Sinon, vous allez sauf que faire la 5e guerre mondiale sans avoir fait la 4 et la 3. Et dis ça comme ça, moi, je ne dis rien. Les petits vieux là sont mauvais, ils sont méchants. Ils sont méchants. Je ne les gère pas, hein, mais bon. Mais ils sont méchants, ils sont encore plus méchants que les jeunes. Des fois, les jeunes, c'est l'ordre de la bêtise, mais vraiment. Mais le vieux, il a connu la guerre, il a connu ceci. Ils détestent vraiment les noirs, hein. Pour la plupart. Allez, la famille. Même me mettre devant ma porte, elle n'est pas loin. L'avion qui part, l'avion qui part. Maman, qu'est-ce que tu en as fait quand l'autre te rejette? Akia. Ma tontina, tu épouses même un homme, tu épouses une femme demain qui te rejette. Il y en a un qui ont fait des enfants qui les rejettent. Ah, kia, ya. Ma tontina, apaisons-nous. Ah, baissons nos cœurs. Il y a des femmes qui ont failli même mourir en couche. Hein? 18 ans plus tard, l'enfant les rejette. Il y en a qui ont pensé que c'était l'homme de leur vie. 5 ans plus tard, l'homme a dit que, oh, moi je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Le rejet. Ah, ça fait partie de la vie. Hein? Tant de rabaisser, est-ce que vraiment ton comment on appelle, ce que tu es dépend de ce que l'autre sort de sa bouche. Voilà les Macron, les ceux-ci qui sont présidents. Tous les jours, on les descend au quartier, s'enlève quelque chose à ceux qui valent. Hein?
Est-ce que ça enlève quelque chose à ceux qui ils veulent? J'en ai rien à foutre que l'autre veuille me rabaisser. Oh. Ça enlève quelque chose à ma part de réalité. Mais si ce n'était que ça, moi, ça, dans le combat, si, rabaisser, vous savez combien de personnes nous rabaissent. Vous savez ce que certaines personnes vont dire dans des messageries privées. Ah, pardon, maman, laisse. Ah, laisse-moi. Parce que tu encaisses, tu traverses et tout. Il me reste, bien sûr, à moins d'1h30, hein, mais il faut le faire. Londres, Paris, c'est moins d'1h30. Coucou, ma Odette. Non, non, passons outre tout ça, sinon ça ne sort pas. D'accord. Ce n'est pas parce que tu allais me rabaisser que ma valeur s'en retrouve au niveau de ton rabais. Non. Hein? Ah, s'il est ingénieur ou pas, j'en ai rien à foutre qu'il soit ingénieur ou pas. Ah, j'en ai mais strictement rien à foutre. Quand je suis avec Serge, ce n'est pas ça qui nous lie. Alors, qu'il ne soit pas, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Mon employeur ne m'a jamais demandé mon diplôme. Donc, ce n'est pas moi qui vais aller demander le diplôme de quelqu'un. Il a passé pour moi. Il me le montre, ça va changer quoi ma vie. Il ne me le montre pas, ça va enlever quoi ma vie. Il y a des sous-problèmes. D'accord. Moi, je suis ici en Bengue. Personne ne m'a jamais demandé mon diplôme. On te demande seulement si tu l'as. C'est au pied du mur qu'on on sait si tu l'as ou si tu n'as pas. Hein? Pardon, laisse-moi, maman, pas Emmanuel, laisse. On n'est rien à foutre. Bon, si j'ai envie de rigoler, oui, je vais me poser la question. Mais dans le fond, rien à foutre. D'accord? Moi, je suis dans la fonction publique. On te dit voilà le concours, voilà le niveau. Si tu penses que tu as le niveau, tu vas passer. Si tu passes, on estime que tu as le niveau là. D'accord? Tu peux avoir le niveau là, tu échoues même d'ailleurs. Il y a des concours là, niveau CAP. Beaucoup se cassent là, les dents là-bas propres. Non, excusez ma vie, d'accord? Excusez ma vie. Je suis devenue trop pragmatique pour... je gère l'ingénierie de quelqu'un que je... C'est comme, je veux l'embaucher. Pour lui poser ce genre de questions. Mais j'en ai rien à foutre. Nous avons un premier ministre qui est, nous avons eu un premier ministre qui avait le CAB chaudronnerie. Hein? Aux États-Unis, un acteur est devenu président de la République. Reagan était acteur de cinéma. Si Trump a pu devenir président de la République aux États-Unis, bah, le colistier de Kamala Harris était enseignant. Il était enseignant. Hein? Il était enseignant. Donc, excusez ma vie, d'accord? Moi, il n'y a aucun progrès, Serge. Ah, meuf, tu comprends le français. Hein? Si tu ne comprends pas le français, c'est pas de ma faute. Hein? Si tu ne comprends pas les tournures de phrase, c'est pas de ma faute. Tu veux foutre quoi le diplôme d'ingénieur de Serge? Tu veux l'embaucher? Hein? Ah, il ne faut même pas le chasser. Est-ce que tu veux l'embaucher? Moi, spécialement, j'en ai rien à foutre. Mais si je veux jouer à ce jeu-là, au jeu des internautes, là, moi-même, là, je m'assieds. Au vu des dits de Marlène, je commence à douter. Est-ce que tu comprends ma tournée de phrase? Eh bien, il y a bien le si là-dedans. Si moi, je veux jouer à ce jeu-là, je pars du principe que Marlène dit la vérité. Il faut souvent avoir un peu honte. Hein? D'accord? Il faut souvent avoir un peu honte. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas la compagne de Serge pour chercher son doctorat. Parce qu'éventuellement, son salaire dépendrait du fait qu'il soit docteur ou pas, qu'il soit ingénieur ou pas. J'en ai rien à battre. Là où je suis assise là, vous dites tous les jours que je suis une petite fonctionnaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça me dérange? Bon, j'ai envie de passer un diplôme d'ingénieur pour. Savoir si lui-là
pour qu'éventuellement me disent comment faire. Et de sacrés soucis. Hein. Porte quoi. Allez, Bibala, je suis hyper épuisée. Apaisez-vous, dis donc. Je vais sortir d'abord mon boarding, ma chère chouette, du là. Hey, qui est ma tontinade, donc toi, si tu me prêtes des intentions, je dis bien que si je. Et si je pars du principe que, par exemple, ma tontina, tu veux me donner mal à la tête. Hein? Tu veux me donner mal à la tête, ma? Toi aussi. Je dis bien que si, au cas où, hein? Si moi aussi je fais ma part déjà, papa, et que je pars du principe que, et même, qui parmi nous là, c'est qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? Hein? Mouf, j'en ai si c'est Yaka, juste le camp. Non, mais, franchement, vous voulez sauf que me rendre chèvre. Hein? Mais ça retombe sur moi que est-ce que j'ai les bêtises? Je dis bien que si je pars du principe, quand tu veux analyser quelque chose, tu pars toujours d'un principe. Hein? Tu n'arrives pas comme ça, bille en tête, au cas où ce qu'il dit serait vrai. Voilà, voilà, voilà. On part toujours d'un postulat. On n'arrive pas comme ça. On prend quelque chose qui est vrai et faut ça. Non, non, tu abordes ça dans un sens. Hein? Tu abordes ça dans un sens. Qui a là? Oh, fiche le camp, dis donc. Yaka machin, quel principe? Le principe est dans ton derrière. Et c'est ça qui finit les Camerounais. Moi, je suis quelqu'un de solitaire. Je ne suis pas là pour rechercher des amis. Je gère très bien mes ennemis. Hein? Je gère très bien mes ennemis. Donc, aucun problème avec Serge. Serge et moi n'avons pas parlé pendant longtemps. Donc, si à nouveau, hein, nous devons retomber dans les mêmes travers, pour moi, quoi? Je suis quelqu'un de très solitaire. Je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour chercher des amis. Hein? J'ai visité son lieu de service. Tu fumes quoi? Tu fumes le gravier. Ben, voilà des personnes qui vivent les vies des voisins. J'ai visité son lieu de service, moi, Bibia. Hey. Ah. Attends, me pince d'abord. J'ai visité le lieu de service de Serge. Ou quand? Dans ta tête de schizophrène. Ouais, donc, on ne peut rien à faire avec nous. Ceux qui parlent souvent de vérité, là. Voilà un qui est convaincu d'avoir la vérité, de connaître la vérité. Moi, si j'ai visité le lieu de service de Serge. Oh, pardon. Hein? Pardon, on va demander à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ma jumelle. Oh. Ou bien une Karine dans un monde parallèle. Multiverse. Oh, pardon. Ah, les camés. Avec nous, là. Vous avez dit que les camés ne sont pas des personnes fiables, donc. Voilà un qui a sa part de vérité dans sa tête. Hmm? Voilà un qui a sa part de vérité dans sa tête. Il se dit que Nestor, tu as visité son lieu de service. Même si j'avais visité son lieu de service, ça reviendrait à dire que j'ai vu son diplôme d'ingénieur. Moi, tu visites mon lieu de service, ça te dira quel diplôme j'ai. La bêtise. Hein? La bêtise. On n'a pas de vol ici. On quitte sur ça. C'est quand le tableau est noir comme ça, il dit quoi? On l'a foutu. Oh, les camés. Regarde-moi l'idiot. Vous voulez manger à Sam, tu as visité son lieu de service. Pour le lien que cause à effet. Quand vous dites là, les femmes, vous comprenez vraiment vos cerveaux là. Les neurones ne sont pas connectés. J'ai mangé avec lui, alors où la relation de manger avec lui et visiter son lieu de service. Et même si j'avais mangé la même cantine sur son lieu de service, c'est la cantine, elle ne reviendrait pas à dire que j'ai vu son diplôme. Est-ce que tu comprends? Quand on dit d'aller à l'école, avoir la capacité de réfléchir par soi-même, il y
bien réfléchir, hein, parce qu'on peut réfléchir et en sortir de la merde en bocal. Mais tu dis quoi alors? Hein? On peut pas entendre. Eh ben, que les camés, faut pas. Je ne sais pas à quel moment notre éducation a coulé, mais ça, ben, ça a coulé à pic. Hein. Hein, notre éducation n'allait pas fort. Hein. Compréhension des textes, zéro. Analyse, zéro. Pour 13 là. Oh bon, ils ont encore changé. Les gens, si ils cherchent un problème. Hein? Celui qui est là avec des neurones, même pas deux demi-neurones connectés. Pourtant, j'ai plus de 24 heures de voyage dans les pattes. J'arrive encore à mieux réfléchir que toi, vous suis dur d'oreille, tout ça. J'arrive encore à mieux. Hein, Yann? Quelle bonne foi! Eh bien, c'est toi, c'est ça qu'elle dit souvent que vraiment. C'est vous qui dites que la vérité, quelle vérité? C'est la réalité, on parle de vivre en réalité. Toi, tu ne sais même pas de vivre dans une réalité, mon frère. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Et tu veux me convaincre? Tu veux m'obliger à penser que voilà, tu es dans la réalité. Hein? Je suis allé manger avec celle-là. Et alors, moi, je parle de tes mots. Mais celui-ci, c'est qui? Là, ils ont décidé de faire du désordre. Donc, je répète, mon frère, tu allais manger un tel. Ah, tu étais sur, ça veut dire que tu étais sur son lieu de service. Quand bien même serait que son lieu de service, ma soeur, il a son diplôme placardé dans son bureau. Mmh. Et quand bien même ça pourrait être un fou, tu vois. Celui-ci se disait que nous on va où? Ouais. 14 machin là, ça s'envole du même depuis la même porte. Quand le panneau là ne fonctionne pas, c'est bugué. Hein? Alors, ils disent que nous en sommes. Bon, hein? Bon, frère, tu ne parles plus. Hein? Que je sois de bonne foi. Bonne foi de quoi? Vous avez dit que moi, je ne suis pas dans votre tête. Je ne suis pas la beauté. Ah, ma tontine Marcel, yes. Ah, ma tontine Marcel. Non. Ce n'est pas moi qui... C'est pas moi qui parle de bashing. C'est venu me trouver. Parce que moi, je n'ai pas écouté. Oui, oui. Je n'ai pas écouté. Donc, le nombre de personnes qui sont venues Wanda, dans mon Ibeke, bah, c'est Serge-là qui est en train de te ramasser comme ça. Et les commentaires étaient alors boubés. Hein? Ma tontine Marcel, tu es sûr que tu suis tout? Et tu me vois assise là, est-ce que tu as l'impression que ça va voir? Non, je vais te passer à la moulinette là-bas. Et il n'y a que lui qui sait pourquoi il m'a passé à la moulinette et ceux qui me passent à la moulinette. Hein? Oui. Et je suis debout là. Et il vous dit que je n'ai aucun problème avec ça. Si lui il a un problème avec moi, il n'y a que lui qui sait. Il gère. Je ne m'a pas à gérer, je ne vais pas rajouter des choses qui ne sont pas de mon fait. Non. Non, je ne suis pas déjà rancunière, je ne suis pas déjà... Non. Hey, je suis quelqu'un solitaire, j'aime la paix, j'aime le calme. J'aime la paix, j'aime le calme. Hein? Hein?
We do expect this to be in approximately 5 minutes from now. Thank you for your patience. Non, non, je ne sais pas comment moi je fonctionne. Hein. Je ne sais pas comment je fonctionne. Je vous ai dit que quand il s'agit de moi, j'achète rarement le problème. Donc, on peut me malmener, je regarde seulement, il passe ma chose. Des fois, il ne regarde même pas. Mais on attrape quelqu'un d'autre, j'achète le problème. Si, parce que ça vient de... du fait que je lui ai dit que moi, elle n'achète pas la ferme, elle n'achète pas. Hein? Tu as la vérité, tu as quelle vérité? Je ne peux pas jurer que tu as la vérité, ne me force pas à acheter. Ce n'est pas parce que c'est pour ça qu'elle dit que comme beaucoup de personnes pensent que telle hein, ne peut avoir que la vérité, accordez-moi aussi le fait que je dise que Marlène a la vérité, vient traiter ça de la même façon. Vous allez être les premiers à dire que je prends parti, dis que non. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit j'ai les preuves, elle est venue poser là. Moi, je ne suis pas du genre, il va aller mener l'enquête, que ça fait comment? Il y a d'autres chats à fouetter. Donc, j'ai dit à Serge que j'ai une autre lecture de ce que Marlène dit. Elle a décidé d'aller me bâcher, d'aller organiser un bashing. Pour moi, quoi là-dedans? Hein? Pour moi, quoi là-dedans? Vous voulez que je fasse quoi? Nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons pas passé le temps à nous chamailler. Le lâcher, est-ce qu'il s'agit de le lâcher? Mon épouse Bam, vous voyez donc les réactions de certaines personnes. Nous avons signé un contrat où le lâcher comment? Hein? Le lâcher comment? Donc décider, qui a dit que nous sommes obligés d'être d'accord? Pourtant je pensais que le fonctionnement c'était, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Accepter l'opinion de l'autre. Je ne suis même pas allé jusqu'à analyser telle ou telle chose. Donc, je suis obligé de le suivre dans sa guerre. Voilà que ça tourne en eau le boudin. Donc, je dois prendre ma part de vie. Je vais faire le sasaya avec parce que je soutiens Serge. C'est une histoire de soutenir Serge. Moi, quand je suis, on m'a souvent ramassé là. Il est venu me soutenir à quel niveau, Dion? Yowanda. Voilà donc des personnes qui ne font pas les choses gratuitement. Tu ne vas pas, tu ne déposes pas ton avis parce que tu as ton avis. Non, non, parce que tu vas soutenir quelqu'un. Pardon, excusez ma vie. Hein. Le soutenir. Donc, l'histoire, elle, chez machin, machin, c'était une histoire de le soutenir, lui. Ah, maman. Moi, quand on me mange là, il me soutient où? Donc, comme il ne va pas soutenir, ça devient le bashing. Je ne l'ai pas soutenu plutôt. Hein? Je l'ai laissé où? À quel carrefour? Non, mais il faut... C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a des angles de vue. C'est moi qui lui avais donné la... Mais il y avait un problème dans un groupe. Je lui ai dit que mon frère, toi, tu es un sang-froid. Viens nous régler ça. Est-ce que je lui ai collé ça là-haut? Il aurait pu dire non. Il dit non. C'est lui qui s'est arrêté là jusqu'aujourd'hui. Il aurait pu dire non. Moi, il déposait ma part. Je ne suis jamais revenu sur ma parole. C'est lui qui a décidé de s'en prendre à tout le monde. Et moi, ce n'est pas ma façon de faire. Donc, je dois sacrifier, bazarder ma vie. Parce qu'il faut le soutenir. Ah ben ça, on voit comment ça tourne. On voit comment ça tourne. Maman, les Camerounais sont compliqués. Pardon, mieux reste seul dans mon coin. Hein? Que je l'ai abandonné avec l'histoire du viol. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Hein? C'est de ça qu'il est question. J'avais décidé de travailler avec lui parce qu'il avait exposé une victime, c'est tout. Et qu'il avait décidé qu'il fallait détruire les autres pour exister. Elle dit que ce n'est pas ma façon de travailler. Ce n'est pas ma façon de travailler. Et justement, Tontinal et Marcel, si j'ai décidé de ne pas acheter la ferme, j'ai déposé ça pendant mon voyage. Il est plus rationnel. Il y a des moments où Serge est rationnel, là, il ne l'est plus. Et je n'ai pas envie de me donner mal à la tête. C'est devenu une histoire de vengeance, une histoire de... Oh non, non, non. Quand c'est comme ça, j'enlève mes pieds.
je ne suis pas une pro-Malienne, je ne suis pas une contre-Malienne. Je dis juste que il y a des choses que moi je ne peux pas encourager. Tu ne peux pas dire qu'on t'a envoyé les éléments venant de l'administration et tu publies. Hein? Il m'a dit qu'il s'en foutait, que lui était là pour la vérité, il dit soit. Parce que c'est hors de question, même comme je n'ai rien à cacher, que quelqu'un sorte ma fiche d'imposition. Et nous qui travaillons dans la fonction publique, nous ne pouvons pas encourager ça. Nous ne pouvons pas encourager ça. Pourquoi? Pour des disputes sur Facebook. Même pas que quelqu'un ait commis un crime. Pour des disputes sur Facebook. Pardon, quand on exprime ma vie. Moi, c'est ça qui m'agace souvent avec certains de nos frères et sœurs. C'est que les personnes pensent que tu leur dois quelque chose. Non, ce n'est plus une histoire de vérité, c'est plus une histoire. Non, c'est que je dois soutenir. Maman, si vous me voyez mes propres enfants, quand ils ont tort. Hein, ils le soutiennent là, ils te soutiennent moralement. Je te dis à Sia, mais tu ne l'as pas volé. Oui, je te dis à Sia, tu ne l'as pas volé. Donc c'est une histoire, il avait laissé tomber pour l'histoire de viol. Donc je dois accepter moi-même qui étais victime de viol, qui venait exposer. Même si je n'avais pas été victime de viol, comme ça. Il y a des choses sur lesquelles moi, il ne m'assied pas. Je suis désolée. Hein? L'amitié pour moi n'est pas au-dessus de l'intégrité de l'autre. D'accord? Tu ne peux pas saboter quelqu'un, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas foutre en mal le. Comment on appelle? Parce que est-ce qu'il sait ce que cette femme-là ont subi? Non, pardon, je suis mal. J'ai même pas envie de revenir dessus. Non, pardon. Il y a des endroits où il faut mettre des hauts là. 47, 48. Non, pardon la famille. Je ne suis pas là dedans. Oh. Et je ne pensais pas que c'est une histoire de soutien. Moi, je vois les dérapages arriver. Donc, dès lors que tu transformes quelque chose en histoire personnelle, moi, je ne suis plus là dedans. Ma vie, je la raconte ici, mais il est hors de question que quelqu'un aille fouiller dans l'administration pour venir me mettre à mal, soi-disant. Pardon, je ne suis pas dedans. N'encourage pas ça. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à fermer les portes à ceux qui voudront travailler pour la fonction publique. Parce que des personnes pas fiables. S'il y a mort d'homme, oui. Mais si c'est pour des histoires, déjà, j'ai raison. Excusez ma vie, d'accord? Ah, c'est sûr. J'ai 1h30 de vol. Moi, je suis assise derrière l'avion, je ne sais même pas, je ne suis pas pressée. Allez, à tout à l'heure, comme je vais m'ennuyer tout à l'heure dans mon hôtel, là, je vais lancer en direct. Tant pis pour ceux qui dormiront. Bisous là-bas.